Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dites-le-moi en commentaire, je serai contente de le savoir. Alors, j'étais en train de faire cette illustration sur mon nouveau cahier. Oui, je me suis acheté un super cahier. Les pages sont un peu fines, mais bon, ça va quand même. Alors, je faisais cette illustration, puis tout d'un coup, je me suis dit, peut-être qu'il serait intéressé de voir comment je colorie les arbres. Alors avant de tout terminer, j'ai branché ma caméra, enfin mon téléphone, et ben on y va, je vais vous expliquer ça. Alors la première étape que j'ai fait, c'est j'ai utilisé mes tampons que vous pouvez trouver dans la boutique, je vais vous montrer lesquels. Et j'ai dessiné les arbres, les arbustes derrière, le soleil, hein, c'était pas énormément compliqué, un petit paysage tranquille. J'ai rajouté du drawing gum, peut-être ça va vous perturber parce que c'est un peu la même couleur que j'ai choisie au niveau du ciel. C'est celui-là, voilà, de PPO. Il est bien, je vais commencer un peu à l'enlever ici pour voir si ça se détachait bien, et bien, ça va bien. Voilà, donc il est bleu. Alors je disais, j'ai utilisé les tampons là que vous pouvez trouver dans notre boutique. Vous avez l'adresse juste ici. C'est celui-là. Voilà. Je vous mettrai peut-être le numéro de référence en barre d'infos. Ici et celui-là également, donc c'est les fleurs. Bon, ça c'est les miens, vous voyez, ça c'est les miens. Je vous montre, j'ai pareil, je mettrai le numéro de référence en barre d'infos. Vous allez trouver, il n'y a pas de problème avec le lien direct. Donc, j'ai utilisé ces deux tampons là, j'ai mis du drawing gum dessus pour me faciliter le travail, hein. Et puis voilà, j'ai peint avec mes couleurs favorites. C'est de l'aquarelle, c'est Kuratake ici. Ça c'est mes couleurs. Voilà, je vous montre. Je me suis acheté une tablette de Kuratake. Elles sont géniales ces peintures, vraiment. Je les adore. Maintenant, je commence à bien m'habituer avec. Donc, je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà. Alors, les couleurs que j'ai choisies pour faire l'arbre, puisque c'est ça le but de la vidéo, hein, c'est de vous montrer comment je fais l'arbre. Bien sûr, si ça vous intéresse de voir une illustration complète, comment je la fais, dites-le-moi en commentaire. Et puis, on fera ça. Je vous ferai ça. Et puis, comme ça, vous verrez toutes les étapes du travail à réaliser. Alors, pour faire les ablats, j'ai utilisé trois couleurs, juste trois couleurs. Je prends toujours une couleur par rapport à mon dessin. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Bon, avant de commencer, ça, ce n'est pas des taches, hein. C'est le drawing gum que j'ai mis pour faire un petit effet après de luciole autour. D'ailleurs, une petite anecdote, hier quand j'étais en train de peindre mon illustration, j'ai tout rangé, j'avais terminé, j'avais plus le temps de continuer. Et puis tout d'un coup, j'ai vu ça. Je me suis dit, mais j'ai fait des taches partout, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu nettoyer. Et oui, moi aussi, je fais des belles bourdes, hein. Et puis je me suis dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est le drawing gum. Bah oui, c'est vraiment la même couleur et ça m'a un peu perturbée. Alors j'espère que ça ne va pas trop vous perturber non plus. Alors les couleurs que j'ai choisies pour faire cet arbre, revenons un petit peu à la vidéo. Pour faire cet arbre, alors c'est la couleur indigo ici. Alors si vous avez les Kuratake, c'est le 67. Là. Ensuite, le violet ici, qui est le numéro 38.
et j'ai mis quelques petites taches comme ça de vert pour rappeler un petit peu celui-là. C'est le numéro 53. Voilà. Alors, j'ai préparé mon godet d'eau. Je vais un petit peu mouiller ça. On y va. Vous voyez, j'ai préparé mon godet d'eau. Je vais mouiller un peu, mais bon, vous n'allez pas voir ça. Hein. C'est pas intéressant de voir que je mouille les différentes couleurs. Je mets quelques gouttes avec le pinceau, c'est tout. Parce que j'ai l'habitude personnellement de travailler sur surface sec. Donc, bon, j'ai dépassé un peu, mais c'est absolument pas grave puisque ça va plus se voir. Donc, je prends un peu de couleur. Et on va faire celui-là ensemble. Et je pose la couleur un peu trop foncée. Hop. Voilà. Donc, je pose la couleur bleue en première sous-couche. Tout partout. Tout partout. On va essayer de ne pas dépasser. Voilà. Jusqu'en bas de mon arbre, entièrement, comme ça. Bon, faut pas mettre trop d'eau. Vous pouvez toujours de toute façon revenir et mouiller un peu après si c'est indispensable. On va reprendre un tout petit peu de couleur. C'est pas grave si c'est plus foncé parce que de toute façon de ce côté là il va y avoir l'ombre. On y va. Donc je pose sur toute la surface de l'arbre. Je vais monter un peu ça. Et ici. Voilà. Alors je me concentre. Si je parle pas beaucoup, c'est parce que je suis concentrée. Parce que je tremble encore un peu beaucoup aujourd'hui. Donc il faut que je sois concentrée sur mon dessin. Alors je fonce petit à petit avec le bleu, puis après je reviendrai avec le violet dessus. Bon, ça a l'air compliqué comme ça au début, mais je pense pas que ça soit trop compliqué. Vous me direz ça. Alors petit à petit je vais foncer un peu en rajoutant de la couleur bleu dessus. Voilà. Et je vais suivre les traits de mon dessin, ou les traits du tampon si vous utilisez du tampon. Voilà, ici. Bon, ça c'est la première étape. Maintenant il va falloir travailler un peu avec le violet. Alors on y va, on prend une toute petite goutte d'eau. Bon, je vais regarder un peu sur mon papier, c'est pas trop foncé. Voilà, toute petite goutte d'eau, vraiment tout petit peu d'eau sur la pointe du pinceau. Ça devrait être bon. Et je vais commencer par faire le côté là, puisque c'est le côté de l'ombre, et je vais travailler mes traits comme si c'est un arbre avec les écorces qui sont épaisses, quoi, comme des écorces, hein, tout simplement. Voilà, et je vais continuer comme ça. Alors là j'en ai mis un peu plus parce que je veux que ça soit un peu plus foncé, parce que là-haut je trouve que c'est pas assez foncé. Vous savez que l'aquarelle elle sèche, elle s'éclaircit en séchant, hein. Je trempe un peu mon pinceau et j'y vais. Je travaille cet arbre là,
attention. Ici. Je travaille, comme je vous ai dit, je fais au niveau de mes traits de dessin. Je suis mes traits de dessin. Un tout petit peu. Je continue tout le violet jusqu'à temps que je suis satisfaite de ma couleur. Et après, je reviendrai avec un peu de vert pour faire un rappel. Voilà. Je vais mouiller un tout petit peu pour avoir une couleur un peu plus diluée. Pas trop, je vais faire attention. Je vais vérifier. C'est un peu trop. Donc, je vais mettre un tout petit peu d'eau. Voilà, et je vais revenir ici. Je vais faire l'ombre ici, en dessous, un petit trait, voilà, et ici, voilà ce côté-là est à peu près bien réussi, je reviendrai ici après, je vais repasser là, je vais suivre mes traits de construction du dessin. Donc, si vous avez un tampon qui est très très marqué au niveau des traits, bah, ça vous aide quand même, hein. Je vais foncer un petit peu ici parce que la lumière, elle est dans le coin là. Donc ici, ça va être assez foncé puisque c'est la nuit. Et ce qui va être moins foncé, où l'on va voir le bleu, ça va être là, par ici. Parce que celui-là est très proche de la lumière. Donc on y va. Alors je tremble vraiment. Pardon, je tremble vraiment. Un tout petit peu dans mon godet, hein. Vous voyez, ça sèche, ça s'éclaircit beaucoup. Là, je suis le dessous. Tiens, je vais faire un petit peu là pour. J'espère que vous voyez bien. Oui, je vérifie. Hein. Oups, c'est mon godet d'eau, ça. Il a bougé. Bon, je trouve ça un peu trop foncé. Je vais mettre un peu d'eau et je vais passer mon petit chiffon, mon petit papier ici pour absorber. Vous voyez? Comme ça, c'est un peu éclairci. Hop, on essuie et on reprend un tout petit peu de couleur. L'avantage de cette peinture-là, c'est que vous pouvez l'utiliser de deux façons différentes. Soit où il y a assez de pigments parce qu'elle recouvre très très bien la couleur, les autres couleurs, donc vous pouvez revenir vraiment dessus, même si vous avez fait une erreur, vous pouvez revenir retravailler sur la peinture et ça c'est génial quoi, c'est superbe. Elle est peut-être un peu chère, ça c'est sûr, je vous l'accorde. Mais ça vaut le coup quand même, hein. Ça vaut le coup. Alors, vous voyez, c'est moins foncé ici, je vais revenir retravailler un peu là. Alors, je reprends toujours avec la même couleur, je reprends un tout petit peu de peinture et je vais retravailler là parce que ça a séché entre temps et je trouve que c'est pas assez foncé. Donc, je vais foncer un peu. Là. Peut-être je reviendrai un peu avec du vert dessus après. Là, je vais passer un grand coup là ici parce qu'il y a de l'ombre, il y a le creux de l'arbre. Voilà. Un autre ici. C'est un tout petit peu trop foncé ici, je vais absorber un peu. Non, il faut que je remouille. Je fais du bruit avec mon godet. Hop. Vous voyez, on peut toujours revenir dessus, c'est ça qui est bien quoi. Ça c'est très bien.
peut-être je remettrai un peu de couleur. Alors, on continue un tout petit peu. Je vais rajouter une parcelle là. Je voudrais que ce côté-là soit assez foncé parce qu'il n'y a vraiment pas de lumière ici. Avec le pinceau qui est à peine de couleur, faut quand même qu'il y en ait un petit peu, hein. J'ai trop essuyé. Je pense que là ça va aller. Voilà, hop, on va un petit peu travailler ça. Que ça soit non plus trop clair parce qu'on est quand même dans la nuit, hein. Dans un lieu un peu magique, donc c'est un peu la nuit. Alors ici, puisque alors là si vous savez, hein, c'est le drawing gum qui va illuminer après. Alors ici, puisque la lumière, elle se reflète, on va faire l'ombre au-dessus. On prend un peu de couleur et on va faire l'ombre au-dessus. Là, on va reprendre en dessous parce que ça n'éclaire plus là. Voilà. Je passe un tout petit peu ici avec de l'eau. Attention, il faut pas beaucoup d'eau. Je veux effacer un peu là. Voilà. Voilà. Et on va... Je vais un petit peu étendre ça. Étendre la couleur. Voilà, vous voyez là, je trouve que c'est déjà pas mal. On va laisser comme ça. C'est peut-être un bon ici, ça sera forcément un peu plus clair parce que je reviendrai avec un crayon blanc. Je dois l'avoir par ici, voilà, celui là de Faber-Castell dessus pour marquer le niveau des lumières et des lucioles. Donc forcément ça va être un tout petit peu plus clair, mais c'est déjà pas mal là. Ici là ça me convient pas trop. On va faire quelque chose pour ici. On va rajouter tout petit peu de couleur. Alors vous savez, je trempe à peine mon pinceau dans l'eau, hein. Vraiment la pointe de mon pinceau, hein. C'est tout. Dans l'eau, je prends une toute petite goutte. Et pareil dans le godet, je prends vraiment une toute petite goutte. Et vous allez voir, c'est déjà super foncé, vous voyez. Donc ici, je vais revenir un peu parce que je trouve que c'est un peu clair. J'ai essuyé de trop. Voilà. C'est un peu... faire des petites corrections.
les finitions de violet, en fait, des petites finitions comme ça. Alors, si ça devrait être plus foncé parce que de l'ombre. Là, on va rattraper un peu ici aussi. Bien. Petite correction. Je trouve que c'est pas assez foncé, puis après je trouve que c'est trop foncé. Voilà, bon, pas si mal du tout, c'est bien. Là c'est bien. Donc on va travailler maintenant le vert. On va mettre quelques petites nuances, pas beaucoup, parce que ben c'est un petit peu de mousse quoi, en fait, un petit peu de mousse qui revient comme ça. Pas mal là. On va laisser comme ça et on va revenir avec le vert. Alors vert, je vous ai dit, hein, c'est le là, c'est celui-là, le 53. C'est celui que j'ai utilisé ici. Alors on y va. Je vais vérifier quand même si on n'a pas de trou. C'est bon. Alors j'en veux un petit peu ici. Bon, ça va faire des taches de vert, ça va changer un peu la couleur d'ailleurs, ça va être sympa. J'en veux un peu là. Alors attention, hein, rincez bien votre pinceau pour pas qu'il y ait du violet dans votre godet, hein. Voilà, ça se voit à peine, ça se voit, mais pas beaucoup, mais c'est important de le mettre parce que ben, ça va un peu modifier la couleur. On va en rajouter un peu aussi le long ici, en fait. Je trouve ça sympa comme ça. Vous voyez, c'est pas beaucoup, beaucoup, mais c'est suffisant. Et ça se voit. On le voit peut-être pas là. Je vais essayer de vous amener ça un peu plus près. Et pendant que j'y pense, puisque j'ai le vert, j'ai un truc à modifier ici. Je vais le faire tout de suite avant d'oublier. Si c'était trop éclairci, je vais trop essuyer. Bon, attendez, je rince bien mon pinceau et je suis contente là de l'arbre, il est bien. Peut-être un petit peu là, étendre. Voilà. Hop, gling, 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 gling. Alors, je vais essayer de vous montrer le vert. Je ne sais pas si je vais y arriver. On va approcher ça. S'il veut bien, voilà. Vous voyez, on le voit. On le voit un petit peu, mais on le voit. Voilà. Donc, c'est comme ça que je procède pour faire mes arbres. Là. Et en séchant, ça va s'éclaircir. Vous voyez ici, ça commence à s'éclaircir. Je vais faire une toute petite correction là. Ici, j'ai pas assez monté de violet. Bon, des fois, il faut revenir un petit peu sur la couleur une fois que c'est sec. Hein. C'est un petit peu de violet que je veux. Bon, j'ai toujours tendance à revenir dessus au moment où je sois. Il faut que je sois satisfaite, quoi. Voilà. Tape-toi un peu. Voilà. Ça. Voilà. C'est pas mal du tout, là.
qui ne me plaît pas. Je corrige. Voilà, c'est comme ça que je fais en fait. Donc si vous avez des questions, dites-moi ça en commentaire. Je vais rajouter un petit peu de vert. Quand on a fini, on n'a jamais fini. Rajoute un petit peu de vert là. Je voudrais un petit peu de mousse ici. Un petit peu de mousse, un peu plus de mousse. Par petites taches comme ça. Voilà. Ah, c'est sympa ça. Ça va sécher et ça va se voir. Voilà. Ah, j'aime bien comme ça. Un petit peu de mousse qui monte sur les arbres. Voilà, je bouge plus, je touche plus, je touche plus. Je vous remontre encore une fois ce que j'ai fini, ce que j'ai fait. Voilà, alors celui-là, d'abord, on va essayer de ne pas bouger l'appareil photo. Voilà. Enfin, le téléphone, c'est pas un appareil photo. Voilà. Tu veux bien faire le point? Voilà, et puis celui qu'on vient de faire ensemble, ici. Voilà. C'est comme ça que je fais. Alors, si ça vous intéresse d'en savoir plus, eh ben, dites-le moi en commentaire et puis je vous ferai une vidéo plus complète de ma façon de travailler. Alors, je vous fais coucou, coucou. À bientôt. Moi, je vais continuer ça tranquillement de mon côté. Et puis, je mettrai ça sur les réseaux. Vous pouvez toujours me suivre, vous le savez. Hein? Facebook, Instagram, et puis voilà, et puis YouTube. Alors, à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée.